Seigneur mon Dieu, à chaque pas je chemine vers toi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. C'est toi que j'ai choisi. Aide-moi à t'aimer, aide-moi à te rester fidèle. Toi, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es la lumière qui m'éclaire, même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui rafraîchit, qui coule en moi et me redonne la vie. Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne t'arrête pas. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, sur ma route vers Pâques, d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme, la femme debout. Donne-moi, Seigneur, sur ma route vers Pâques, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité. La grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Et nous louons le Seigneur avec le cantique 38, « Louez l'Éternel et suivez sa voix », c'est le psaume 81, cantique numéro 38. Bienvenue à toutes et tous pour ce temps de culte de carême, 40 jours pour nous préparer à cette grande fête de Pâques, 40 jours que nous avons souhaité au féminin cette année, et j'ai le plaisir d'accueillir la pasteure Joëlle Roth-Bernard, qui est chargée de communication dans notre église protestante de Genève, mais qui surtout ce matin va nous apporter la parole. Merci Joël, à toi d'être parmi nous. Je salue aussi celles et ceux qui nous rejoindront plus tard sur le réseau. Je veux chanter le Seigneur, il met de l'éclat en moi. Mes peurs, mes doutes, en mer il les jeta. Ma force, mon chant, c'est le Seigneur. Il est celui qui m'accueille et qui m'aime, tel que je suis. C'est lui mon Dieu, je le louerai.
le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de Jésus-Christ, je l'exalterai. Le Seigneur est mon guerrier et mon héros, à mes côtés toujours il combat. Dans ma faiblesse, il me soutient. Dans mes impasses, il me montre une issue. Dans mes obscurités, il allume la lueur. Au souffle de ses narines, mes peurs se figent, ma volonté se redresse, mes pas retrouvent de la vigueur. Trembler, arrogant de ce monde qui vivait sans la crainte de son nom, le Seigneur est puissant. Louons-le, mes sœurs, mes frères, son amour est sans fin. Il est devant, il est derrière moi. Il m'encercle de sa tendresse lumineuse. Quand je traverse les vallées de la haine, de l'incompréhension et de l'ennui, sa main me cultive un vert pâturage où je m'allonge dans un abandon total. Le Seigneur règne à tout jamais. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant dans le cantique 285, alors il n'était pas noté, le cantique 285, nous voulons par nos cantiques. Je vous invite à vous lever, cantique numéro 285. Thank you.
Ensemble, prions le Seigneur pour lui remettre ce qui nous charge. Ô Seigneur, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance de notre monde et de reconnaître notre incapacité et aussi notre part de responsabilité, car souvent, notre manière de vivre ne le transforme pas. Pardonne-nous d'agir encore et encore comme des égoïstes, de ne pas aller à la rencontre de notre prochain, de ne pas tenter de l'aimer. Pardonne-nous de te servir si mal, d'attendre toujours que tu répondes, au lieu de nous mettre nous-mêmes à ton service. Pardonne-nous de t'oublier, de vivre sans toi par nous-mêmes. Pardonne-nous d'oublier aussi que la véritable joie, le vrai bonheur est d'être avec toi, de t'aimer et de servir ta parole. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour que nous vivions pleinement en filles et fils libres devant toi. Que ce pardon nous apaise, qu'il soit force et joie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons cette parole de grâce qui est toujours là pour nous. Dieu est amour, il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne ensemble de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance avec le cantique numéro 279, Ô Jésus, ma joie.
Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons les pages de l'Écriture, que se pose, Seigneur, ta lumière sur notre lecture et que ton esprit précède en toute chose ce que nos oreilles auront à entendre ce matin pour nos vies. Dans le livre des Juges, au chapitre 5, je vous invite à entendre ce cantique de Déborah. En ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam. Quand on laisse flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, moi, je chanterai à l'Éternel. Je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Sihir, quand tu avanças depuis la campagne d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes croulèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shongar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées. Jusqu'à ce que je me sois levée, moi, Déborah, que je me sois levée comme une mère en Israël. On avait choisi des nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier, une lance, pour 4000 liés en Israël. Mon cœur va au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et qui, vous qui marchez sur la route, réfléchissez. Que de leur voix, les porteurs d'eau du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits car il a mis Israël au large. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors Dieu donna au reste des nobles la domination sur un peuple. L'Éternel me donna la domination parmi les héros. D'Éphraïm, la racine même, est contre Amalek. À la suite, Benjamin est parmi tes troupes. De Makir, les chefs sont descendus au combat, et de Zabulon, des recruteurs avec le bâton du scribe. Les princes d'Issacar furent avec Déborah, Issacar et pour Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté entre deux parcs, à écouter le bêlement des troupeaux, au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, y est resté. Pourquoi Dan a-t-il élu domicile sur des navires? Aser est assis au bord de la mer. Il est resté sur ses brisons. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même.
sur les hauteurs du champ de bataille. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Tanakh, aux eaux de Megiddo. Ils n'en tirèrent pas un avantage en argent. Des cieux ont combatté, de leur orbite, les étoiles combattirent contre Sisra. Le torrent de Kishon les a balayés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kishon. Mon âme foule aux pieds leur vigueur. Alors les sabots des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas à l'aide de l'Éternel parmi les héros. Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber, le Kénien, béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous la tente. Il demanda de l'eau, elle donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle en a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Et elle a martelé Sisra, lui a fondu sa tête, fracassé et transpercé la trempe. Au pied de Yaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé et il est tombé. Mort, raide. Du haut de la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisra regarde et s'exclame : pourquoi ton char tarde-t-il à venir ? Pourquoi ces chars font-ils si lentement ? Les plus sages d'entre ses suivantes lui répondent, et elle s'adresse à elle-même ces paroles : ne trouve-t-il pas du butin ? Ne le partage-t-il pas ? La fille, deux filles, par tête de guerrier, du butin en vêtements de couleur pour Sisra, du butin en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis éternels. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut tranquille pendant 40 ans. Réveille-toi, lève-toi, dis un cantique, toi, Déborah, mère en Israël. Ce chant de louange, ce cantique,
ces 31 versets qui évoquent la libération du peuple invitent à un réveil spirituel tout entier. Déborah, juge en Israël, assumait aussi le rôle de prophétesse, une femme donc de parole, comme son nom en hébreu d'ailleurs le signifie, Dévar et parole de Dieu. Mais une femme de courage, d'audace, qui prendra la parole pour sauver son peuple, non pour sa gloire, mais en encourageant et en accompagnant d'autres à se lever. Une voix pour un cantique, un chant pour exprimer sa reconnaissance pour les miracles opérés par la vie, dans la confiance en celui en qui elle s'inspirait. Ce qui a retenu mon attention pour ce matin dans ce long descriptif, c'est de découvrir ce cantique de Déborah sous un angle, sous le prisme de la fonction d'une mère. Tout d'abord, une mère juge. Étonnant d'accoler ces deux termes, me direz-vous, mais Déborah n'est-elle pas l'archétype de ces femmes assoiffées de justice pour leurs enfants ? Puisse une mère qui élève, qui guide le jeune peuple face à la guerre, qui guide ce peuple vers l'unité du royaume en redonnant du courage au nom de sa foi, écoutant la voix de Dieu, se levant donc à son appel et s'en remettant toujours à lui. C'est à la lumière de ces éléments qu'enfin nous verrons que c'est une mère qui sait se réjouir avec d'autres et qui chante sa joie partagée. Oui, c'est à la lumière de ces différentes facettes, de ces prismes, de cet angle que j'ai choisi pour ce matin que je souhaite guider votre regard. Orientons-le donc moins sur le rapport entre le réel de ce récit que sur ce que nous avons à y entendre pour nos vies aujourd'hui. Guider, accompagner, se réjouir. N'est-ce pas ce que nous pourrions nous exhorter de vivre dans ce temps aussi qui nous conduit vers Pâques, ce temps de carême? Une mère juge. Oui, c'est bien dans le livre étonnant de la Bible, les juges, qu'il est question de Déborah. Et ce livre n'est pas le plus avenant de la Bible. Certes, les personnages sont présentés comme des sauveurs, mais la violence s'y exprime et est souvent déroutante. Mais la violence n'a pas cessé depuis tellement de siècles et depuis qu'ont été écrites ces paroles. Pour vous situer, Déborah, elle commence sa carrière en rendant la justice, non point sous un chêne, mais sous un palmier, terre de la Bible oblige, j'ai envie de dire. En effet, elle exerçait ses jugements en étant assise dehors, en dessous d'un palmier. Elle le faisait aussi certainement pour que tout un chacun puisse l'atteindre facilement et profiter de ses enseignements. Mais le palmier est aussi un arbre aux feuilles tournées vers le ciel. Et la façon dont Déborah exerçait son rôle était certainement de manière désintéressée et entièrement vouée au service de son Dieu. De partout, on venait chez elle pour obtenir la justice. Elle semble disposer d'une véritable aura. Des jures, des affaires courantes, elle va se transformer, comme vous l'avez compris, ou perçu, en chef pour sauver son peuple en désignant Barak, homme de la tribu de Nephtali, pour combattre l'oppresseur. Elle interviendra donc dans une période complètement d'anarchie. Le peuple d'Israël n'avait plus de chef. Josué, qui avait conduit ce peuple en terre promise, était mort et
point de successeur n'avait été nommé pour gérer les différentes tribus. Ce jeune peuple était donc, j'ai envie de dire, sans parents. On les avait abandonnés, nous dit le texte. Ainsi, le peuple s'était laissé entraîner par des nouveaux dieux, nouvelles idoles. Ils étaient tombés sous une domination ainsi et oppression du roi de Canaan, dont son cruel général était prénommé Sisra. Alors, dans leur grand désespoir, les Hébreux en appellent Dieu à leur secours, qui va leur envoyer Déborah. Pour le peuple d'Israël, il va s'agir de se remettre complètement à la confiance à Déborah. Mais il ne s'agira pas ce matin de s'arrêter sur la fiabilité historique des faits rapportés dans le texte. L'évocation du combat, la guerre, dans la Bible, perturbe souvent, voire dérange, mais n'est-il pas important de se dire de ne pas les occulter, parce que cette violence existe dans notre monde. L'évocation du combat, de la guerre, est bien là, et c'est tellement d'actualité encore. La terreur et l'horreur de la guerre assaillent aujourd'hui notre monde encore. Nous sommes, oui, plongés dans les bas-fonds de notre humanité où l'oppression encore domine. Alors, réécouter les paroles de Déborah comme une mère juge qui tente d'éveiller son peuple au meilleur de lui-même, n'est-ce pas ce à quoi nous pourrions nous aussi être invités aujourd'hui? D'ailleurs, juger n'est pas entendre négativement. Juger, shafat en hébreu, signifie prendre une décision dans le sens de conduire, de accompagner. Ce cantique nous exhorte, je crois, à être des guides qui orientent aussi la vie vers un champ de reconnaissance. Quelles que soient nos existences et ses tourments, en ce temps de carême, faisons-nous ce cadeau de regarder ce qui est beau dans nos vies. Nos luttes, nos disputes, nos désaccords prennent souvent plus de place dans les récits de nos vies que la reconnaissance, la joie du soutien et de la rencontre. Nous avons tellement l'habitude que les médias, sans nier la réalité bien sûr, pointent notre regard aussi seulement sur ce qui est destructeur, alors qu'il y a tellement d'élan de solidarité et de générosité. De même, en ce temps de carême, pourrions-nous nous laisser élever par ce récit de Déborah en cherchant à regarder ce qui est bon dans nos vies, les bienfaits de l'Éternel, comme elle chante, la liberté retrouvée, évoquée par Déborah, qui a pu libérer ce peuple, implique toute sa personne quand elle dit « Je chanterai, oui, je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. » Mais vous avez aussi entendu « Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. » Déborah, dans son chant, signifierait-elle que la mesure de nos engagements et de nos investissements ne relève pas seulement de nos seules capacités, mais de la reconnaissance aussi de celles et ceux qui sont à nos côtés et dont nous avons toujours besoin pour gagner les batailles dans nos vies. Oui, la victoire est présentée comme le fruit de la collaboration de tout un ensemble d'acteurs. Bon nombre de noms de tribus sont cités dans ce passage. Il s'agit alors, j'ai envie de dire, d'une louange partagée. Nos victoires ne sont rarement que le fruit de notre seule personne. N'est-ce pas cette sagesse du bien vivre ensemble? Cette sagesse s'inscrit, je crois, d'abord dans l'éducation première du parent qui guide et qui accompagne pour susciter le meilleur de son enfant en le regardant comme un être unique et singulier, empreint des traces de Dieu.
L'histoire d'Israël dans laquelle Déborah s'inscrit comme mère en Israël qui chante les louanges, n'est-ce pas l'histoire aussi, si je puis dire, de l'éducation, d'une éducation qui aurait fleuri. Se lever, comme l'a fait Déborah, se lever pour faire advenir ses enfants, n'est-ce pas la vocation, la fonction de tout parent conscient qu'il a à les protéger, à les accompagner dans les luttes et les difficultés qu'il rencontrera. Cela toujours dans un double objectif. Premièrement, veiller à la construction de cet enfant, bien sûr, qu'il chérit, mais aussi lui transmettre le devoir collectif de se construire sa vie avec et toujours les autres. Hannah Arendt, philosophe allemande, disait « Éduquer un enfant, c'est assurer la continuité du monde. » Pour rendre un être civilisé, il est impératif qu'une maturation s'opère. Chaque parent, par sa présence, peut permettre, je crois, cette maturation nécessaire à la vie de son enfant et par ricochet au monde qui l'entoure. N'est-il pas de notre responsabilité de transmettre à nos enfants les erreurs du passé pour les inciter à ne pas les refaire et peut-être et surtout pour leur épargner de les subir? Comme le dit Maurice Bellet, il ne suffit pas que l'homme soit né encore, lui faut-il faire un chemin d'humanité. Déborah s'y se levait, comme vous l'avez entendu. Des villages étaient abandonnés jusqu'à ce que tu te sois levée, toi, Déborah, mère en Israël. La maternité de Déborah réside dans le souffle, je crois, de la sagesse, dans le courage d'être pleinement disponible et de faire être. Au désespoir du peuple, Déborah va répondre par le courage et l'encouragement. Ainsi, le cantique est le fruit d'une collaboration, d'une mise en route plurielle. Elle chante, oui, avec, en présence de Barak. Elle l'avait stimulé, éveillé, même accompagné à sa demande pour qu'il conduise les hommes et les femmes d'Israël à la libération. Déborah, dans ce chant, sait reconnaître les valeurs et le potentiel aussi et interpeller comme un parent le ferait. Interpeller, elle l'avait fait auprès de Barak. Interpeller, mère, parents, nous le faisons auprès de nos enfants qui sont peut-être restés sans agir. Il n'est pas question, cela dit, que de louer et remercier celles et ceux qui ont été pleins de bonne volonté, mais aussi d'interpeller d'autres. Déborah évoque, entre autres, les pensées et les sentiments de ceux et celles qui ne se sont pas engagés ou qui n'ont pas pu le faire. Il est question de la tribu de Ruben. Personne ne s'était levé. On n'avait peut-être pas palabré, discuté, pesé le pour, le contre. Vous avez entendu à ma lecture ces paroles. Pourquoi es-tu resté entre deux parcs à écouter le bêlement des troupeaux? Cette tribu d'Israël ne se souvenait-elle plus de l'oppression subie déjà en Égypte? Au passage, ce cantique n'est pas sans faire écho à un autre chant de libération, celui de Moïse et Myriam, lors de la sortie de l'esclavage en Égypte. Pour chanter une éducation qui a fleuri, il faut toujours attendre et accepter que son enfant passe par, peut-être, des chemins détournés. D'ailleurs, la victoire a eu lieu par un chemin détourné, si je puis dire. Et Déborah le chante, elle le précise lorsqu'elle exprime qu'il s'agit du rôle clé qu'a aussi joué une autre femme à ses côtés, Yaël. C'est à elle, en effet, et non à Barak ni à Déborah, que revienne la victoire finale sur l'ennemi.
Ici, Yaël a mis un terme à la guerre en évinçant Sisra, l'oppresseur qui fuyait et s'était réfugié sous sa tente. En frappant, Sisra, Yaël avait pris le parti de Dieu et de son peuple contre les ennemis. Les détails de sa conduite, inconnus de tous, mais qui, comme d'une certaine façon, sont quand même relatés dans ce passage de délivrance, sont des images assez sanglantes. Mais ne peut-on pas se demander si Yaël avait vraiment eu le choix face à l'adversité d'un chef armé ? Rien n'est comparable, certes, mais comment ne pas penser à ces femmes battues qui commettront peut-être l'impensable pour se protéger et aussi pour protéger leurs enfants. Yaël est bénie dans ce chant. Vous avez entendu ? Bénie soit-elle entre les femmes, Yaël. Bénie soit-elle entre les femmes, Yaël qui habite sous la tente. Ce n'est pas sans faire référence pour nous à la mère de Jésus qui sera accueillir en son sein celui qui, sur la croix, recueillera toutes nos luttes. Les luttes de toutes les mères désemparées par l'attitude ou le choix de leurs enfants qui les entraînent parfois vers la mort plutôt que vers la vie. C'est ainsi que l'évocation de Déborah à la fin de son cantique aux pensées de la mère de Sisra est poignante. Déborah n'oublie pas, non, la douleur des mères dont les enfants se sont laissés aller à la violence. À la fin du passage, il est décrit la mère de Sisra qui attend le retour de son fils en regardant du haut de la fenêtre à travers les treillis et s'étonne, s'inquiète peut-être que son fils tarde à venir. Tant de situations diverses sont relatées dans ce cantique pour que nous puissions nous laisser aujourd'hui rejoindre dans nos histoires de vie. Au cœur des accents guerriers qui se mélangent dans ce cantique, il ne faut surtout pas oublier de mettre en avant la grande part, la large part, place à l'esprit et à la foi de Déborah. Dans un champ de ruines, une femme psalmodie chante. Ce n'est pas sans nous laisser déplacer, sans nous laisser réveiller. N'est-ce pas ce que nous pourrions nous aussi offrir, nous offrir en ce temps de carême, nous laisser déplacer, réveiller et pourquoi pas oser psalmodier. Faisons-nous ce cadeau de voir le beau malgré tout et surtout contribuons à le permettre aux proches comme au loin, auprès de celles et ceux qui peut-être pour un temps n'y arrivent plus. Comme Déborah, bénissons Dieu pour le bien qu'il a produit. Ne serait-ce pas porter un autre jugement sur nos vies ? L'élan de solidarité et d'accueil offert au peuple ukrainien sont des signes de joie et d'encouragement qui doivent se déployer autour de nous comme une contagion au service de la paix. Toutes et tous, nous y sommes invités, quelles que soient nos convictions. Et nous, chrétiens, chrétiennes, nous devrions d'abord et avant tout, plutôt que de sans cesse élaborer, structurer, émettre des plans, nous devrions peut-être aussi nous mettre à la tâche de psalmodier, de nous en remettre à celui qui peut relever, celui en qui nous avons placé notre confiance, est né d'une femme, pour nous rejoindre au plus profond de nos entrailles et nous accompagner dans nos batailles. Serions-nous appelés à chanter notre reconnaissance à Dieu pour les bienfaits qu'il a opérés dans nos vies, pour encourager celles et ceux qui n'y arrivent plus à le voir pour un temps ? Continuons, oui, sans relâche, à voir ce qui est juste et bon pour nous-mêmes et pour les générations futures, en reconnaissant les dons reçus à notre naissance. Bâtissons un monde d'amour sur la terre qui nous implore. Fécondons la joie autour de nous. Développons
dévoilons et mettons au monde la lumière de toute maternité, tendresse pour notre humanité. Faisons fructifier cette joie, fruit de notre foi. Ce cantique nous a invités à choisir d'autres armes dans nos vies que celles de nos intérêts, de notre pouvoir ou de nos dominations intestines sur les autres. Ce cantique se termine sur des accents d'espérance. À nous de les redire. Utilisons nos paroles pour encourager, offrir de la stabilité. Les femmes comme les hommes peuvent le faire. Marchons ensemble face à ce qui est à combattre, mais utilisons les bonnes armes. Les armes de l'esprit, celles qui redonnent courage, paix et joie. Le fruit de l'esprit, n'est-ce pas la joie ? Oui, cette joie qui grandit lorsqu'on la distribue. Cette joie, elle ne s'invente pas. Elle nous comble sans humilier personne. Elle nous est donnée. Elle est le fleuve de notre vie en Christ. Elle nous traverse. Elle s'écoule sans se tarir. L'amour agapé est sa source. Elle coule de source dans la louange. Louant Dieu, Déborah, femme parmi les mères en Israël, nous a offert la poésie de son cœur. Elle, Déborah, dont le nom signifie aussi abeille, ne nous a-t-elle pas offert pour ce matin le nectar que reçoit toute personne qui sait butiner les fleurs du printemps en chantant sa louange au Dieu qui germe et fait germer nos lendemains. Amen.
Voici quelques annonces pour notre communauté. Merci ce matin aux conseillers et conseillères de service qui ont assuré l'accueil à ce culte. Merci aux gardiens qui ont aussi installé ce temple. Merci à Vincent pour la musique. Je souligne que Vincent, pour notre carême au féminin, ne choisit que des compositrices à l'orgue. Ça nous permet de découvrir un répertoire autre qui est splendide. Merci Vincent. Merci à K.O. pour la vidéo et la mise en ligne ce soir de notre culte. Et surtout, un immense merci à toi, Joël, pour cette prédication et d'avoir osé prendre cette juge sous son palmier et l'inviter ce dimanche parmi nous. Pour la semaine à venir, vous avez les dates qui sont dans le feuillet. Jeudi 31 mars, comme tous les jeudis, nous avons ici à la chapelle des Maccabées un culte à 12h30, l'office du milieu du jour. Vous y êtes tous et toutes conviés pour un temps de musique, de parole et de partage. Et ce sera la pasteur Elisabeth Schenker qui le mènera ce jeudi 31 mars. Samedi 2 avril prochain, le BAM pour les parents, les enfants, c'est de 10h à 11h30. À l'auditoire Calvin, nous aurons aussi un groupe de jeunes de la paroisse qui se réunit à 18h à la salle paroissiale au 24 Bourg de Four. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous contacter. Nous poursuivons notre série de carême au féminin en recevant Isabelle Grélier dimanche prochain à 10h et nous parlerons de Marthe et Marie, libres d'écouter, libre de service. Je vous annonce aussi une soirée exceptionnelle pour le mardi 5 avril, une soirée au carrefour de la réflexion et de la pratique, puisque nous nous pencherons sur le culte protestant, une approche théologique. Ce sera à 19h à l'auditoire Calvin. Il y aura des invités prestigieux. Elisabeth Parmentier, la doyenne de notre faculté de théologie, Christophe Chalamet, François Dermons, Sandrine Landau et moi-même. Et nous serons accompagnés, nous avons voulu que cette soirée soit comme un culte, avec de la musique, par Benoît Zimmermann à l'orgue et à Esmé de Vry, donc mardi 5 avril à 19h à l'auditoire Calvin. C'est maintenant le temps de l'offrande. L'offrande est un acte liturgique pour redonner ce que Dieu nous donne. Et pendant l'offrande, nous chanterons « Je louerai l'Éternel » qui est sur vos feuillets. « Je louerai l'Éternel ». Thank you.
Rejoignons-nous dans la prière les unes les uns pour les autres. Réveille-moi, Seigneur, réveille-moi, que ta parole habite en moi. Garde-moi de toute apathie et que se lève en moi un ardent désir de bienveillance. Réveille-moi, Seigneur, que mes journées battent au rythme de ta parole, que ton appel à vivre dans l'intégrité et la justice soit le guide de mes actions et paroles. Réveille-moi, Seigneur, pour que dans ma vie, l'espérance déborde, afin que, par ton souffle, non seulement j'annonce ta bonne nouvelle, mais que j'en sois une source jaillissante. Réveille-moi, Seigneur. Ensemble, nous te disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons « Demeure par ta grâce », le cantique numéro 145. Cantique numéro 145, « Demeure par ta grâce ». Nous envoyer et nous bénir ce dimanche, écoutons les mots du psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen.